casting, il y a un monsieur qui s'appelle Herbie Hancock. Qu'est-ce qu'il connaît Herbie Hancock? Ah, génial. C'est juste une légende du jazz. C'est probablement des pianistes les meilleurs au monde. C'est juste incroyable. Je suis un fan de lui depuis que j'ai 14 ans. Donc on a été le voir et il ne comprenait pas pourquoi je voulais le faire jouer. Et en fait, bah, vous verrez, c'est le ministre de la Défense. Il a une super tête. Et il m'a dit, mais je sais pas jouer. Je dis, mais il faut pas jouer. Voilà, c'est juste, imagine que tu es ministre et on t'a donné le poste. Et voilà, souvent les acteurs, ce que j'aime bien faire, c'est mélanger des gens qui ont beaucoup d'expérience avec d'autres qui n'en ont pas. Parce que ça déstabilise complètement les vrais acteurs qui ne peuvent plus faire leur petit truc comme ça. Là, ils sont obligés de répondre à quelqu'un qui n'a pas leur code. Et ça fait du bien aux débutants d'avoir des vrais professionnels en face d'eux. Et ça régénère les vrais comédiens qui sont un peu déstabilisés et qui sont du coup obligés d'être le plus vrai en fait. Bon, je vais vous laisser parce que sinon on en a pour 3 heures. Bon, merci beaucoup à tous et à... Thank you.